J'aimerais savoir quel est vraiment le rôle de l'arbre dans l'écosystème. Le rôle de l'arbre a plusieurs rôles, hein. Oui. A plusieurs rôles dans l'écosystème ou bien dans le milieu de vie tout court. L'arbre a plusieurs rôles. L'arbre est d'abord une mission ornementale. Oui. Parce que nous sommes en ville, hein, dans les agglomérations humaines. Oui, surtout en ville, c'est seulement en ville, puisque c'est le voilà, contexte. Parce que en forêt, c'est autre chose. Oui, en ville, en milieu urbain. Donc, en ville, l'arbre a d'abord, avec son feuillage, une mission ornementale. Deuxièmement, l'arbre est comme un abri naturel. L'arbre est un abri naturel. L'arbre, grâce à sa fonction de photosynthèse, et a une capacité rafraîchissante. Parce que le jour, son feuillage émet l'oxygène. Oui. Le jour, le gaz émet l'oxygène et capte le CO2, qui est un gaz à effet de serre. Et la nuit, il fait le contraire. Donc, bref, l'arbre réduit le microclimat dans le milieu où il se trouve. Revenons un peu sur la régulation sur le plan local. En milieu urbain, l'arbre a une mission de régulation de microclimat dans la zone où il est planté. Parce que ses feuillages renvoient l'oxygène le jour sous la lumière et captent, fixent le gaz carbonique, qui est un gaz à effet de serre. Mais à l'obscurité, c'est l'effet contraire. Je parlais des bouffées de chaleur que nous vivons actuellement dans la ville de Douala. L'une des causes, c'est que notre mangrove, qui est la serre Saint-Hubert, nous pompait de l'oxygène, est en train de disparaître à cause des êtres humains. Monsieur Didier Yimkoua, nous vous remercions. Merci beaucoup.